ton temps ici. Je plaisante. Je vais donc vous parler de ces consultations citoyennes et surtout vous les présenter par rapport à la Grande Marche. Donc, je suis de la majorité du mouvement et la Grande Marche est organisée par le mouvement. Elle a vocation à mobiliser tout le monde et en ce sens, évidemment, c'est une démarche que je soutiens à 300%. À côté de cela, il y a les consultations citoyennes, appelées initialement Convention démocratique pour la refondation de l'Europe. Je suis à la Commission Affaires culturelles et éducation, mais également à la Commission Affaires européennes. Dans le cadre de cette Commission Affaires européennes, a été constitué un groupe de travail dont j'ai été rapporteur. Je suis la rapporteure du rapport sur les conventions démocratiques, aujourd'hui consultation citoyenne. J'ai fait ce rapport avec un président qui était un LR, Michel Arguillon. Nous avons pendant 4 mois arpenté l'Europe pour essayer de voir quels étaient les États qui étaient prêts à jouer le jeu. Nous ne sommes plus là sur une initiative en marche, même si c'était un élément clé du programme d'Emmanuel Macron. Nous sommes sur une démarche plutôt institutionnelle, c'est-à-dire que le but est que ces consultations soient portées de façon interétatique et transpartisane. C'est essentiel. L'objectif est de replacer le citoyen au centre de l'Europe, de lui dire qu'il est temps de s'approprier l'Europe et d'avoir une part active dans son développement. Il ne faut plus voir, pour reprendre les termes de Barnier, l'Europe honteuse, l'Europe qui fait peur, l'Europe de la crise. Il faut voir l'Europe comme quelque chose de positif. Alors c'est vrai que les pères fondateurs de l'Europe ont pu facilement à mettre en place à travers les différentes conventions qui avaient été adoptées à l'époque, notamment en parlant de l'Europe de la paix. Ça a été une réussite puisque ça a permis de ne pas avoir de guerre dans nos États, en tout cas, pendant toute cette période. Mais cette Europe de la paix, aujourd'hui, ne parle plus à nos jeunes. Il faut parler de l'Europe autrement. Donc l'objectif poursuivi dans ces consultations citoyennes, c'est de créer un débat. Donc il y aura 2 phases. Il y a une phase numérique où on va essayer d'adopter un questionnaire commun à différents États, et une phase physique où on va organiser des consultations. Le but étant de savoir ce que chacun attend dans son quotidien de l'Europe, que ce soit en termes d'éducation, en termes de logement, en termes d'emploi. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Qu'est-ce qui va pour vous dans l'Europe? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Europe? Il va falloir prendre ça de partout. Le but, ce serait que ce ne soit pas porté que par En Marche, mais qu'il y ait d'autres mouvements qui s'approprient cette démarche, pour essayer de créer un bouillonnement et de faire remonter des idées par rapport à l'Europe. Tout l'enjeu de la démarche est qu'il y ait un retour, c'est-à-dire que le citoyen sente qu'on ne fait pas ça juste comme ça pour parler, mais qu'on fait ça vraiment pour adopter par la suite des directives, des règlements ou une politique nationale qui soit plus en phase avec les attentes européennes. Il y a vraiment un enjeu très fort à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a 25 États sur 27, sur 27 qui sont prêts à jouer le jeu. Les 2 seuls qui pour l'instant ne sont pas d'accord, ce sont les Pays-Bas et la Pologne. La Hongrie est d'accord, même si elle souhaiterait bien imposer son questionnaire, imposer même les réponses et imposer la retranscription. Mais en tout cas, il y a une réelle volonté de participer à ces consultations. Toute la question qui se posait également était de savoir quel doit être le rôle des institutions européennes dans cette démarche. Il n'y a pas de volonté de nuire aux institutions et au travail qui est fait et porté par les institutions, notamment au niveau de la Commission qui porte déjà des débats citoyens, des initiatives aussi citoyennes, je ne sais plus exactement les termes, mais c'est un peu ça. Mais ce qui est reproché aux institutions, c'est justement qu'il n'y a pas de volonté. Donc il faut que les institutions continuent à faire le travail qu'elles font aujourd'hui, mais il faut que nous, on fasse partir le débat de la base, comme l'a fait Emmanuel Macron lors de sa campagne sur son programme. Donc il y a vraiment une volonté que les associations, que les entreprises, que la CCI, que l'UPV s'emparent de ces consultations et créent vraiment une dynamique pro-européenne. C'est le seul moyen, d'après moi, pour parler de pas se contenter de faire des conférences au sein des préfectures et autres où nous ne toucherons que des convaincus, mais qu'il fallait aller vers les eurosceptiques et euro-réfractaires pour tenter de fédérer un maximum de personnes autour de cet enjeu. Donc, je souhaite que vous vous sentiez engagé sur cette thématique qui m'est chère, parce qu'on ne peut pas faire sans l'Europe. Et de toute façon, l'Europe continuera. Donc, il vaut mieux être
dedans. Il ne faut pas opposer l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Il ne faut pas opposer l'Europe des riches et l'Europe des pauvres. Je suis très bien dans ce mouvement parce que je me sens économiquement très libérale, mais socialement, je suis très, très attachée à toute idée de solidarité. Donc c'est ça qu'il faut arriver à vendre à travers les consultations. C'est-à-dire que l'Europe doit être l'Europe de l'économie. Mais donc, il n'y a d'une part la Grande Marche, et une autre Grande Marche. Il nous faut être très actifs et mobiliser au maximum. Et j'espère que cette énergie, je vais arriver à la récupérer sur les consultations citoyennes que nous sommes en train d'en discuter pour essayer de les lancer sur le fond. Je pense qu'il est important que l'Europe soit lancée. Alors, je concrète pour la circonscription, mais je pense qu'il est important qu'on vienne vous aider sur les zones difficiles. Et j'espère que mes amis députés feront de même. Il faut vraiment qu'on soit à vos côtés, au Pradé, à Carteran, à Hier, à Toulon. J'y tiens, d'autant plus que j'y travaille, d'autant plus que j'y vis, parce que je n'habite pas sur ma circonscription. Donc je souhaite être à vos côtés, même si je mets toute mon énergie là où j'ai été élue, forcément. Donc voilà, c'est les propos préliminaires que je souhaitais tenir et qui me sont chers. Et sur ça, n'hésitez pas à me contacter et surtout à me solliciter lorsque le temps viendra et qu'on pourra mettre tout ça en œuvre. C'est toute initiative peut être individuelle sur les consultations. C'est-à-dire que demain, une association veut essayer, avec une association italienne ou autre, de créer un événement. Vous souhaitez faire un concert et à côté créer des ateliers. Vous voulez faire un événement médiatique, peu importe. On peut labelliser ce qu'on veut, consultation citoyenne. Le tout est de trouver une idée qui permette de parler de l'Europe et de fédérer autour de cet événement. Voilà, je vous remercie. Donc je vais vous dire ce que tu as dit, mais au niveau donc, régional. En chiffres, les fonds européens dans notre région, c'est environ 1 milliard d'euros de fonds. 284 millions d'euros pour le Fonds européen de développement régional. 307 millions d'euros pour le Fonds social européen, 477 millions d'euros pour le Fonds européen agricole de développement régional, je ne parle pas par cible, c'est pour ça va un peu plus long, hein. 5 millions d'euros d'initiatives pour l'emploi des jeunes et 7 millions d'euros de fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche. Donc on peut voir que l'Europe intervient dans le quotidien des citoyens, tant en termes d'université, de pôle de compétitivité, de port, etc. Et force est de constater donc que ces fonds sont peu utilisés. Cependant, je vais quand même vous donner quelques exemples sur les fonds européens structurels que je viens de citer, car on verra qu'il y a d'autres fonds qui sont octroyés par l'Europe. Alors, en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, il permet de financer les aides directes aux investisseurs. C'est vraiment tendre la main de jeunes entreprises et à des projets innovants, et les fonds européens doivent servir essentiellement à cela. Donc voilà un exemple pour le FEDER. Pour le Fonds social européen, c'est 307 millions d'euros qui sont investis donc, en région de PACA sur 2014-2020, 149 millions au titre de l'orientation et de la formation des demandeurs d'emploi, 158 millions sont gérés par le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Et l'intérêt donc est de permettre, tu en avais parlé tout à l'heure, de l'emploi et l'inclusion. Dans l'utilisation de ce fonds, il y a une volonté d'adapter les travailleurs et les entreprises aux évolutions économiques, faciliter l'accès et le retour à l'emploi, et donc l'intégration sociale des personnes défavorisées, et lutter contre toute forme de discrimination face à l'emploi. Un exemple au niveau de qui a été porté par TPM, le relais culturel par Méditerranée, le contrat d'accompagnement dans l'emploi. Une partie des jeunes donc, est particulièrement impactée par le chômage, avec un niveau de qualification très faible et des problématiques liées à l'accès difficile à la formation et à l'expérience professionnelle. Et le projet consiste à offrir un parcours de formation et d'insertion à 45 jeunes de 18 à 25 ans. Ce faible niveau de qualification a surtout été repéré au niveau des villes telles que la Seine et Hier. Et donc, Catherine Laguet, je suis fonctionnaire au Parlement européen. J'ai une expérience de 27 ans dans les institutions, dans les postes administratifs.
Et à l'heure actuelle, j'organise les réunions des groupes politiques en Europe. Je travaille de manière égale pour les 8 groupes politiques du Parlement européen, de l'extrême droite, des centres nationaux. Ici, il y a une seule chose dont je dois défendre le citoyen, ne reconnaît pas certains leurs arguments, mais nous croyons en cet idéal et nous n'arrivons pas à faire passer le message. Donc c'est seulement en se déplaçant auprès des gens qu'on arrivera peut-être à faire changer la façon de penser. Voilà. Donc, ce que j'ai constaté en faisant l'animation d'une soirée avec des séminaires d'ailleurs, c'est que l'Europe, c'est très complexe, c'est difficile, il y a une masse de documents. D'ailleurs, rien que, pour exemple, que j'ai apporté seulement une seule partie, parce que si j'avais dû tout emmener, ma valise n'aurait pas suffi. Et on peut parler longtemps, mais les gens retiendront très peu de choses, bien souvent visuelles. Voilà. Donc, par exemple, je trouve qu'un élu classeur, pour représenter la masse de documents, ça parle aussi. Voilà. Donc, et ce qui est important aussi, c'est qu'avec M. Macron, peut-être le double langage disparaîtra, à savoir arrêter de dire c'est la faute de l'Europe, en oubliant que les États membres, c'est aussi l'Europe. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la présentation d'elle-même. Pour cela, on va recadrer un petit peu la stratégie Europe 2020, le contexte avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc, l'Union, c'est la délégation de compétences de la part des États membres sur quelques domaines. Dans ce cadre, tous les États donnent de l'argent prélevé sur les contribuables, le redonnent à l'Union qui le redistribue ensuite. C'est le principe de je donne et je reçois. Chaque pays reçoit donc de l'argent selon les contributions, mais aussi des avantages non quantifiables comme l'accroissement de la qualité de la vie, du bien-être et aussi des opportunités commerciales. Comme l'a dit Valérie, l'Union est basée sur le principe de solidarité entre les États, raison pour laquelle certains pays ont reçu plus d'argent que d'autres. Et les fonds européens, que la développera, répondent à cette logique. Alors, la stratégie de chance est à ce titre. On alloue pour l'emploi 2,5 milliards, pour l'inclusion sociale 3,2 milliards et la formation 1,9 milliard et les capacités administratives, donc c'est simplifier les administrations, 20 millions. Donc, certaines politiques européennes sont mises en œuvre directement au niveau européen, telles que la politique alimentaire, commerciale, énergétique, environnementale, les affaires étrangères. Mais pour être plus efficace, il y a 3 politiques européennes dont le budget est confié aux États membres. Il s'agit de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, qui fête ses 30 ans cette année, et la politique de développement rural et la politique de la pêche et des affaires maritimes. Alors, si en quelques mots, pour ne pas faire trop long, on peut dire que la politique de cohésion économique et sociale et territoriale favorise l'emploi, la qualité des emplois, les conditions de travail, la mobilité des travailleurs. Elle lutte également contre la pauvreté, l'exclusion sociale, la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et la modernisation des systèmes de protection sociale. La stratégie de développement durable Europe 2014 s'appuie sur 11 objectifs thématiques. Alors, on peut lire ensemble, c'est pas plus net non plus. Et donc, c'est pas plus net sur mon dossier. Les 11 objectifs thématiques répètent ce que j'avais déjà exposé dans les trois politiques pêche, agriculture et cohésion sociale, à savoir une Europe plus verte, une Europe plus sociale. Je pense que les termes Europe verte, sociale, lutte contre la discrimination vous parleront par rapport au programme d'Emmanuel Macron. En fait, il y a beaucoup de points qui sont concordants avec les 11 objectifs thématiques de l'Europe. Voilà. Ces 11 objectifs sont déclinés en programmes. Pour la France, il y a 83 programmes qui se situent au niveau national, régional, interrégional et maintenant de l'État. Voilà. Donc, ici, vous avez l'affectement. Jérémy travaille au DG Budget, mais alors il était très content que je le sollicite parce qu'en 2013, il était administrateur à la commission de la pêche au Parlement européen. Il travaillait avec un député breton, ça c'était bien pour un breton de s'occuper de la pêche.
Monsieur Alain Cadec. Voilà. Et alors, à ce titre, il était le secrétaire de la commission, il était l'administrateur en charge du dossier pour le processus législatif. Voilà. Plus concrètement, la proposition législative est faite par la commission, le budget exact de la proposition n'est pas chiffré à ce stade, l'enveloppe n'est pas définitive, elle est seulement la base de discussion. Le Parlement se saisit de la proposition législative en même temps que le Conseil, s'ensuit un processus d'élaboration de la position du Parlement. Alors, c'est-à-dire que, comme pour l'Assemblée nationale, il y a des débats, des auditions au niveau de la commission de la pêche. Et il faut relever que beaucoup de travail ne se passe pas en plénière. Donc, quelquefois, quand on voit des hémicycles à moitié vides, c'est pas parce que les fonctionnaires, les parlementaires ne travaillent pas, c'est parce qu'ils sont dans leur commission, ou dans leur sous-commission. Ça, c'est un combat aussi pour faire passer l'information juste. Voilà. Et je le parle en position se pose, parce que je travaille au Parlement, et je sais que les parlementaires travaillent, mais ils ne sont pas forcément dans la plénière. Voilà. Alors, ensuite, il y a un projet de rapport, des amendements, et enfin un rapport adopté en commission. Et l'ensemble des amendements présentés par le conseiller de Parlement modifie le texte de la commission. Quand le règlement est adopté, on le rend à la commission et elle va le mettre en œuvre. Voilà. Et donc, je vais parler de mon collègue d'après, Mario. Alors, Mario, il est autrichien, il est marié à une hongroise, ils se sont rencontrés pendant leurs études à Montpellier, ils parlent ensemble hongrois, allemand, français et anglais, et lui s'occupe des programmes opérationnels à la DG Emploi, c'est-à-dire que lui, il est en contact avec le directeur Europe de la région ARCA, et lui suit les projets concrets. Donc, il est appelé à se rendre en France plusieurs fois par an, donc il suit la Corse, l'Occitanie et la Guyane. Pour l'Europe, dont j'espère vous parler tout à l'heure, quelques instants. Mais pour l'instant, donc, je vais essayer de vous parler des financements européens. J'avoue que c'est un vrai défi pour moi parce que d'une part je ne suis pas vraiment spécialiste et d'autre part parce que je vais essayer de vous en parler de façon non technique et comme le disait Catherine, c'est quand même un peu difficile de parler de façon non technique de l'Europe parce qu'il y a pas mal de dossiers, de papiers, de rapports, de directives, enfin on est quand même dans une administration assez fournie, assez productive en termes de papier, donc je vais essayer de faire une petite synthèse de ce qui existe en fonds d'investissement structurel au niveau de l'Europe et de vous dire quel est l'objectif en fait, quelle est la raison d'être de ces fonds européens. Alors je ne sais pas comment on fait pour faire dérouler, je te dis... Pendant que Catherine cherche, je peux commencer déjà à vous expliquer. Alors, les fonds structurels d'investissement ont été créés donc, au tout début de l'existence de l'Union européenne, dès 1957 avec le Fonds social européen, puisqu'on s'est aperçu en fait très tôt que les outils qu'on utilisait au niveau européen, donc par exemple les négociations commerciales avec le reste du monde, etc., créer des conditions de croissance économique fortes qui a été induite par l'espace économique commun de l'Union européenne. Ça marchait super bien, mais ça créait certaines inégalités entre des régions qui se développaient plus vite et mieux et des régions qui restaient donc un peu périphériques. Et notamment aussi avec l'adhésion de nouveaux États membres, on avait le même phénomène de divergence des niveaux de développement économique entre les régions et entre les pays. Donc dès 1957, on a
créer un premier fonds européen qui est le Fonds social européen et qui avait pour objectif de régler les questions d'emploi en France et en Belgique. Alors ensuite, dans les années 60, avec la politique agricole commune, il y a un deuxième fonds qui a été créé, qui est le Fonds européen agricole pour le développement rural. Donc au fur et à mesure, avec les événements qui sont survenus, par exemple la crise des grandes industries, la désindustrialisation de l'Europe de l'Ouest, dans une certaine mesure bien évidemment, là on a créé le Fonds de développement régional qui avait pour objectif premier dans les années 70 d'essayer de remédier à ces problèmes-là. Par la suite, donc, se sont ajoutés le Fonds européen pour les affaires maritimes, de pêche, des projets qui sont liés à l'emploi, et le Fonds de cohésion. D'investir dans du capital humain, d'aider les demandeurs d'emploi, voilà, de financer ce type de projet-là. Ensuite, on a donc le Fonds de cohésion. Alors ça, c'est un fonds qui est destiné vraiment aux pays qui sont un peu à la traîne, en général les pays qui rejoignent l'Europe. Donc la France, typiquement, ne bénéficie pas de ce fonds-là. Donc il dispose de 56 milliards d'euros sur la période 2014-2020. Donc là, vous avez les pays bénéficiaires, et donc ils se concentrent sur le financement d'infrastructures de transport, projets d'envergure sur l'environnement, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc vraiment des grands projets structurants pour les États qui rejoignent l'Union européenne. Le troisième fonds, c'est le Fonds européen de développement régional, donc le FEDER. Vous en avez sans doute entendu parler parce que c'est quand même celui dont on entend parler le plus, en tout cas en France. Il dispose aussi de l'enveloppe la plus importante, donc 181 milliards d'euros, et il vise à promouvoir un développement équilibré dans les différentes régions de l'Union européenne, en se consacrant en priorité à la recherche et le développement, à l'innovation, au soutien aux PME et à l'économie sobre en consommation de carbone. Alors, donc, ces trois fonds-là qu'on vient de voir sont en fait les outils de la politique européenne agricole pour le développement rural, donc 100 milliards d'euros. Donc, ce fonds-là est considéré comme le second pilier de la politique agricole commune. Et donc, il va compléter cette politique agricole commune, il va financer des projets concrets qui visent au développement rural des régions. Donc je vais vous épargner la lecture de tous les objectifs et je pense que Valérie en parlera aussi un peu des objectifs des différents fonds, donc je ne vais pas développer plus. Et puis un cinquième fonds européen, c'est celui pour les affaires maritimes et la pêche. Donc c'est un tout petit fonds qui dispose que de 6,4 milliards d'euros. C'est le dernier à être créé aussi en 1993, lorsque la façade maritime de l'Union européenne s'est agrandie avec l'adhésion de pays comme la Suède ou la Finlande. Et donc ce fonds vise à aider l'Union européenne dans le cadre des négociations et qui sont distribués par les régions. Donc les régions se substituent maintenant, depuis 2014, à l'État dans l'attribution des financements européens. Donc c'est elles qui prennent les décisions de financement ou non, projet par projet. Donc les objectifs globaux sont fixés donc, au niveau de l'Union européenne, mais après chaque pays va décliner ses objectifs sur les priorités qui sont les siennes. Donc ce qui a été le cas de la France, Catherine a dit quelques mots à ce sujet. Alors je vais donner juste quelques chiffres supplémentaires. Donc on a 645 milliards d'euros qui seront débloqués au titre des fonds européens structurels sur la période. Donc c'est un chiffre élevé.
pense que tout le monde s'en rend compte, 645 milliards d'euros, le retrait de budget de l'État français sur l'année, par qui est une logique un peu malsaine, hein, puisque finalement chacun va chercher à récupérer exactement le montant qu'il a mis et le résultat de l'opération est de zéro finalement, autant garder son argent chez soi. Donc la force de ces fonds européens, c'est justement la mise en commun de projets et les dépenses coordonnées par rapport à ces projets. Donc il ne faut pas chercher une logique comptable de récupérer vraiment ce qu'on a mis dans les fonds européens, etc. C'est plus une logique de développement des territoires et de solidarité entre les territoires et entre les États membres. Donc maintenant, de plus en plus de voix s'élèvent en fait envers des propositions de financement qui repose sur un mécanisme différent de celui qu'on a actuellement, avec un budget propre pour notamment les pays de la zone euro, qui permettrait de financer avec des ressources propres du type droit de douane, TVA, ou alors taxe carbone ou taxe financière, ce type de fonds structurels, et d'éviter de rentrer dans le jeu des négociations entre pays qui s'avèrent du coup... très, très difficile et très conflictuel, j'ai envie de dire. Donc le président Macron va dans ce sens-là aussi. Il souhaite qu'il y ait un budget autonome de la zone euro. Alors, et donc juste deux mots pour vous expliquer ces deux derniers graphiques. Donc tu peux revenir, Catherine, sur le précédent. Alors, celui-ci démontre la mobilisation des fonds par pays. Alors, donc en fait, vous voyez que il y a beaucoup de pays, donc notamment en bas du graphique, les financements sont loin d'être consommés au niveau de la France. Donc la France, elle est, on voit pas très bien là, mais elle est vraiment dans le bas du tableau, elle est cinquième si vous commencez de compter de bas en haut. Et au contraire, vous avez d'autres pays tout en haut, par exemple la Hongrie, ou encore l'Irlande, ou la Belgique, ou le Portugal. Qui, eux, arrivent à bien travailler avec ces fonds et à bien financer des projets. Donc on a des efforts à faire à ce niveau-là, et nos régions, notamment, ont des efforts à faire à ce niveau-là pour être plus efficaces dans la sélection de projets et dans l'aboutissement, finalement, de ces programmes. Alors, et puis le deuxième graphique que j'ai trouvé intéressant démontre la consommation de crédit par pays et par type de fonds structurels. Donc là encore, malheureusement, on n'arrive pas à bien lire, mais tout en haut, vous avez la Pologne, l'Italie, l'Espagne, la France, qui est quatrième. Alors là, on se retrouve en haut du tableau, parce qu'en fait, ne s'est pas appauvri. La plus belle preuve, c'est Vesselina qui nous l'a donné aussi, c'est qu'on ne consomme même pas les fonds qui nous sont attribués. Et comme je le disais tout à l'heure avec Nicole, que j'ai rencontré à cette occasion, qui est le mouvement européen, vice-président du mouvement européen, en fait, c'est un peu la parabole de la multiplication des pains, excusez-moi pour cette référence à la culture chrétienne, mais c'est que quand on met dans le pot, ben, y en a plus pour tout le monde. Et c'est pour ça que je crois et que je pense qu'il faut qu'on arrive à faire passer ce message-là. L'Europe nous enrichit, ne nous appauvrit pas. Alors, donc, moi, je vais vous présenter un outil qui peut vous permettre, de justement d'aller chercher ces projets et de les médiatiser. Donc, je ne vais pas vous faire la litanie de tous les projets. J'ai travaillé à partir de ce classeur orange que vous trouvez sur Internet en le téléchargeant sur PACA, et je vous montrerai où vous pouvez le trouver assez rapidement. Et j'ai fait une petite synthèse avec deux projets remarquables par fond pour le Var.
que je ne vais pas vous détailler, mais simplement pour montrer qu'on peut mettre en valeur ces projets pour les communiquer. Parce que bon, j'ai été fonctionnaire de l'éducation nationale pendant toute ma carrière, et je crois beaucoup à la pédagogie aussi, parce que si on veut communiquer quelque chose et faire évoluer les mentalités, il faut savoir trouver l'accroche et la chose qui va intéresser et accrocher. Or, j'ai un projet fort, j'ai besoin de crédits européens, ils ne sont pas consommés. Où est-ce que je vais trouver l'information? Alors, tout à l'heure, Valérie me disait que c'est difficile à trouver, mais dans les CCI, on trouve déjà la prochaine campagne qui est en cours pour suivre ces bains. Sur le site du départ, qu'est-ce que ça a donné, moi, j'ai été très séduite par la volonté d'Emmanuel Macron d'évaluer les politiques publiques. Parce que on peut faire des politiques publiques et en refaire d'autres, et si on ne fait à aucun moment l'évaluation de ce qui a marché et des bonnes pratiques, on recommence les mêmes âneries. Donc, si nous, dans notre façon d'aborder notre engagement politique, on travaille à ça, à mon avis, c'est quand même quelque chose de fondamental. Donc, je voulais que ça soit court et que ça soit surtout que ça me donne envie de les utiliser. Donc, j'ai mis ces documents en ligne sur un site qui est donc le site du comité Golf en Marche et Maxi Marche. Il y a une page Europe. Alors, vous le voyez, voilà. Comité local, hein, c'est en une seule ligne, mais bon, là, sur la projection, ça se... Donc vous cliquez, vous avez accès au document PACA et puis les petits PDF qui sont là, qui sont alors des tableaux arides avec le nom, l'argent dépensé par, enfin payé par les uns les autres, etc., etc. Et je les ai fait à partir de tableaux Excel. Ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter. Là, vous avez les contacts sur le site aussi, et je vous enverrai les documents. Voilà. Donc... Comité En Marche le Pradet, et également directeur de l'IUT, l'Institut Universitaire de Technologie, qui est donc... qui fait partie de l'université de Toulon. L'université de Toulon, c'est une petite université, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour vous parler d'Erasmus, je voulais juste revenir un petit peu à la genèse. En fait, Erasmus est né en 87, en 1987, au siècle dernier. Pourquoi faire? En fait, Erasmus est né d'une volonté européenne de développer la mobilité des étudiants. Et en fait, c'est un objectif politique important. Parce que l'Europe, certes, c'est beaucoup de fonds, et je redonnerai une petite précision aussi sur quelques fonds fédéraux et relation entre l'université et les fonds fédéraux. Certes, c'est des fonds, mais c'est aussi des citoyens. Et les citoyens qui peuvent construire l'Europe et qui vont animer l'Europe de demain, c'est vos enfants, mes enfants, nos enfants, et c'est eux, les citoyens européens de demain. Et donc, dès 87, cette organisation de la mobilité des jeunes qui font des études, donc des futurs cadres, voire peut-être décideurs des différents pays européens, était nécessaire à être organisée et au moins soutenue par des fonds, bien évidemment, des fonds européens. C'était une véritable volonté politique. Ça s'est en plus ensuite articulé en 1999 avec la mise en place de ce qu'on appelle le processus de Bologne. Alors, peut-être que pour beaucoup, ça ne parle pas, c'est certain. Le processus de Bologne, c'est l'organisation des études de l'enseignement supérieur autour de ce qu'on appelle le LMD, hein, le licence, master, doctorat. Là, c'est toujours le même objectif, la mobilité, certes, mais également la reconnaissance des compétences. Et une reconnaissance européenne des compétences permet justement à des étudiants de pouvoir faire une partie de leur cursus dans un autre pays européen, avec une reconnaissance et donc une valorisation de leurs études dans leur pays d'origine, ou, pourquoi pas, encore un autre pays européen.
Et ça, c'est vraiment les briques, enfin, pour moi, au niveau de... On ne peut pas parler d'Erasmus, qui sont le financement, en fait. Mais Erasmus, c'est que le bras armé pour financer une politique et une volonté européenne politique d'organiser la mobilité citoyenne. Et ça, c'est, enfin, à mon avis, il était nécessaire de commencer par ça. Alors, comme j'ai 10 minutes, je vais être relativement court. Erasmus, c'est quoi? C'est bien sûr des financements sur projet qui s'adressent à l'origine qu'à l'enseignement supérieur, ça a été étendu un petit peu au lycée, ça s'adresse aux étudiants, ça s'adresse également aux enseignants, donc à la mobilité enseignante, et également à des personnels administratifs rattachés à des systèmes éducatifs. Je parle de système parce que ce n'est pas obligatoirement des universités. Ces mobilités Erasmus donc sont encouragées pour les étudiants par des allocations mensuelles, hein, qui dépendent du pays, qui sont de l'ordre de 200 à 350 euros par mois, qui ne sont pas énormes, mais qui soutiennent un peu cet effort. Si on revient à l'université de Toulon, Erasmus, c'est en plein développement, c'est quelque chose qui se développe d'année en année. C'est, je vais parler de mobilité financée, c'est en gros 110 étudiants qui partent avec, un gros 60% de mobilité entrante et un 40%, 60% de mobilité sortante et 40% à peu près de mobilité entrante. Donc, on a en gros des accords sur 100 ou 110 universités européennes, puisqu'il faut obligatoirement avoir des accords entre universités. Tous les domaines sont, tous les domaines sont visés par ces mobilités, et on a également tous les niveaux d'études, avec quand même, bon, c'est vrai, un gros. Ouais, principalement des mobilités au niveau L3, donc 3e année de licence, et Master. Master 1 principalement d'ailleurs. Parce que techniquement c'est un peu plus compliqué en Master 2, puisqu'il y a des stages qui sont relativement lourds et qui ne peuvent pas toujours être faits à l'étranger. Ces programmes financent également des stages, hein, donc des stages d'étudiants, d'abord en tant que directeur de l'unité, des étudiants qui partent en stage en mobilité Erasmus, pas beaucoup, mais quelques-uns tout de même. C'est intéressant également de pouvoir le promouvoir, de le faire savoir déjà, faire savoir autour de nous, de le promouvoir auprès des étudiants. Il y a des choses qui ne mentent pas, il y a quand même quelques statistiques d'employabilité. Il est reconnu qu'un étudiant qui a fait une partie de son cursus à l'étranger a 60% de chances de trouver un emploi, 60% de chances supérieures de trouver un emploi rapidement. Ce qui veut dire que la mobilité, ce n'est pas que aller voir ce qui se fait chez les voisins et faire du tourisme, c'est également acquérir de vraies compétences et de démontrer ensuite, quand on revient, que l'on a eu cette expérience, qu'on a su la valoriser et qu'on est plus employable au niveau des entreprises. Donc, effectivement, ça bénéficie aux étudiants, ça bénéficie aux universités, mais ça bénéficie aussi au tissu des entreprises locales. Et ça, je pense que c'est certainement pas assez vu ou assez dit, puisqu'on considère que Erasmus est une affaire universitaire. Voilà, donc ça s'étend également au niveau de l'apprentissage. Alors moi, en tant que directeur, on a beaucoup d'apprentissage, moins à l'UT, on l'a développé. L'apprentissage, jusqu'à maintenant, on faisait son apprentissage en France, et puis on faisait son site de formation uniquement localement. Il y a des programmes qui se sont développés qui s'appellent Erasmus Pro. Ces programmes sont en pleine évolution, entre autres sous l'impulsion de Jean Arthuis, hein, qui est donc député européen de Bretagne. N'est-ce pas? Bretagne, non. Alors, Emmanuel Macron a parlé d'ailleurs dernièrement avec la volonté. Les fonds fédères sont aussi un soutien, alors certes, du développement des entreprises, mais aussi du développement des universités sur le volant recherche. Et ça, c'est loin d'être négligeable. À l'Université de Toulon, on a déjà cofinancé, puisque les fonds fédères ne financent jamais à 100% un projet, mais je crois que la limite est de 25%, il me semble, depuis ça de mémoire. Je ne vais pas préparer là-dessus. C'est à peu près de mémoire,
à peu près 25% de projets dans tous les domaines, dès l'instant que ce sont des projets qui contribuent au développement du territoire. Et on est une petite université qui a certes de la recherche un peu fondamentale, notamment en mathématiques et en droit, c'est à peu près les deux domaines, mais la recherche fondamentale, mais on a aussi beaucoup de recherche appliquée, qui est en fait de la recherche au service du territoire et des entreprises du territoire. Et dans ce cadre-là, on a déjà par le passé, on a encore des cofinancements fédéraires sur des équipements. Donc c'est quand même quelque chose qui est important de souligner. Et en PACA, enfin, du moins, surtout, et en PACA, il y a quand même d'autres universités en PACA, comme la MU, la deuxième université de France, quand même, c'est pas négligeable. Il y a Nice, qui est plus petit, et Avignon, qu'on oublie. Peut-être un petit peu plus loin, mais c'est les quatre universités de la région PACA. Dans ces quatre universités, on a également un soutien de la recherche par les fonds fédéraux. Je reprends la parole pour parler brièvement de... Les gens peuvent mieux faire le financement, le thé, c'est balade un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, il y a un petit logo qui s'appelle l'Europe s'engage en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est le site de la région sur lequel vous pouvez aller rechercher toutes les informations sur les possibilités de financement. Il faut savoir qu'on peut faire des demandes de fonds et puiser dans plusieurs différents. Je pense que vous l'aurez peut-être compris de ce qu'on a expliqué. Donc vous pouvez mélanger plusieurs subventions sur plusieurs fonds. Donc, si vous avez une idée, vous allez sur une idée, un projet, vous allez sur le site, on y publie des appels de fonds et il y a des demandes dématérialisées sur la plateforme dédiée. Il faut que votre projet d'investissement ait une répercussion économique. Par exemple, on ne va pas prendre une entreprise privée pour former les salariés. En revanche, on va prendre la situation de personnes en recherche d'emploi, voir comment les aider à faire une formation qualifiante qui les mettra à l'emploi. Donc, ne vise pas des intérêts privés particuliers, mais bien un intérêt général. Donc, la logique de l'investissement, c'est que l'Union apporte une garantie bancaire. Chacun n'a pas forcément les capacités financières et le banquier ne va pas lui accorder un crédit. Et donc l'Union se portera garant, la prise de risque sera prise par l'Union. Si le projet n'aboutit pas, eh bien la banque publique d'investissement qui l'aura financé, l'Union se porte garant auprès de la banque publique d'investissement, elle essaiera de récupérer l'argent au maximum, mais sinon, pour se rembourser, la banque puisera dans les fonds. Et bien voilà, je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails moi-même parce que de toute façon, ce n'est jamais l'Union qui valide un seul projet, que ce soit clair, c'est votre région. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini. Peut-être si vous avez quelques questions, nous sommes à votre disposition. Claudie. Bonsoir. Claudine Richard, j'anime le comité Hier Ouest Lacro, mais je suis également présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et familles du Var, et à ce titre, je perçois du FSE depuis 2014-2020. Alors, je vous te rassure, Valérie, le contrôle est horrible. Autant la demande est importante et très difficile à faire, autant le contrôle est horrible. J'ai une personne dans mon association qui ne s'occupe que de cela. On part d'où les associations sont obligées de faire des crédits de trésorerie à des taux souvent très prohibitifs pour pouvoir payer leurs salariés. Et on ne sait pas du tout quand c'est ça. Normalement, on ne demande pas la totalité, hein, puisque c'est vrai qu'on a un bilan à fournir. Le bilan se fait tous les 3 mois. Le département nous contrôle. Il y a une cellule Europe au département qui est maintenant bien organisée. Il nous contrôle régulièrement. Le financement du département est à peu près correct, mais celui de l'Europe est beaucoup trop tardif.
Mais je vous dis bien quand on a eu l'accréditation du Fonds social européen. Ce n'est pas la demande. Hein. Ce n'est pas la demande. Et donc, et j'ai quand même un programme sur 1,5 million sur 3 ans. C'est dans 15 salariés. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Après, oui, c'est bien cela. Donc, je demande quelle est votre position, comment vous pouvez l'expliquer, puisque vous êtes, vous travaillez au sein de l'Europe, et là, franchement, c'est quelque chose qui m'interpelle. Qui, je, c'est vraiment inadmissible. Merci. Oui, mais je pense que... Alors, je n'ai pas la réponse exacte. Je n'ai que celle que je crois. Hein, et qui est que nos régions ne sollicitent peut-être pas suffisamment les porteurs de projets, ou peut-être que le domaine est trop complexe, ou peut-être qu'après tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des trésoreries comme Claudine. D'après mon collègue, en plus, ça c'est pas normal, normalement, l'Union ne rembourse la région que quand la région a elle-même porté le porteur de projet. Donc, quand j'entends Claudine dire qu'elle ne reçoit pas l'argent, la région, normalement, doit remplir cette étape-là pour ensuite recevoir l'argent. Ce n'est pas que la région, toutes les régions d'Europe, pourraient utiliser un coussin financier en se disant « Tiens, tiens, je récupère l'argent de l'Europe et puis je paierai le porteur de projet quand j'ai le temps. » Donc, ce n'est pas logique que Claudine soit dans cette situation. Alors, oui, bien sûr, non mais je m'en doute bien, mais comme c'est toi qui avais pris la parole. Alors, j'ai de l'argent qui est bloqué, mais ça vient de la région, parce que la région fait... Non, moi c'est en lien avec le... Non, c'est général. Arbitrairement, on est passé d'un montant de 35%, quand on commençait le premier trimestre, on avait 35%, ce qui était logique, à 17%. Mais ça, c'est vraiment le lien avec le département. Je précise bien que je suis sur du fonds, enfin, vraiment du FSE, sur les minima sociaux. Et vous savez très bien que c'est la collectivité qui gère les minima pour des Leonardo, pour des choses comme ça. Il faut vraiment être volontaire. Et puis après, ben, y a aussi la longueur de temps de trésorerie qui pose des problèmes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on unisse nos forces pour essayer de trouver les infos, de remplir les dossiers et de les remplir avec la rhétorique qui convient. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Catherine, on peut peut-être proposer un bon projet, mais mal le présenter, ce qui fait qu'il sera retoqué parce qu'on va penser que ce n'est pas de l'intérêt collectif, mais que c'est des intérêts privés. Donc, c'est ça aussi qui rend les choses assez compliquées. On peut financer parce que les régions devaient intégrer ce nouveau système. Donc, déjà, on a dû reporter les crédits de 2014 sur 2015. Ça, c'est déjà un élément. Et le bilan de 2017, au 30 juin, c'est qu'il y avait 100 000 projets financés pour 15 milliards d'euros au total, sachant que l'Union ne finance pas 100%, il y a des ratios, 60-40... Voilà. Et donc, il y avait 7,5 milliards qui ont été apportés par les fonds européens, c'est-à-dire qu'en juin 2017, on n'avait été consommé que 30% des fonds européens. Notamment, il y a d'autres délocalisations, sont dédiées au Conseil pour les demandes de subventions européennes, qui le font avec beaucoup de dévouement. Et avec beaucoup de temps, seulement ils sont un peu cachés, c'est-à-dire que le commun des mortels, le citoyen, monsieur et madame tout le monde que nous sommes, j'ai eu la chance moi de les croiser parce qu'une personne m'a dit d'aller voir une personne qui m'a présenté une personne. Et que là, juste là, à la maison de la région pour être précise, juste à côté de la place de la Liberté, rue Picot, pour ne citer qu'elle, parce que vous avez vraiment des relais hein, dans les territoires, mais là, vous allez être accueillis, vous allez le voir par Annie à l'accueil, qui est une perle dotée de beaucoup de miel autour d'elle, tellement elle est douce. Et elle va vous prendre un rendez-vous avec une personne, je vous assure. Elle est adorable, c'est une crème, un agent dévoué vraiment au territoire qu'on aimerait croiser tous les matins. Je n'en doute pas, mais c'est vrai que comme vous dites, c'est vraiment pour une identification. Mais au moins, Magali à l'Europe d'un côté et les autres de l'autre, ils me disent, bah, Blandine, voilà, tu n'as pas bien formulé ici. Là, le fonds FEDER, le fonds ITI, ça va. Moi, je pense que
poser trois questions. La première, c'est la communication, parce que effectivement, moi, en tant qu'ex-chef d'entreprise et en tant qu'administrateur de l'association Sésame, qui crée sur l'aire toulonnaise 150 emplois par an, on avait eu des fonds FFE, mais 18 mois après, la demande fait dans des dossiers effectivement complètement ficelés. Le défaut, c'est que ces dossiers sont trop compliqués. La simplification administrative, ça existe, hein, il y a des gens qui l'ont tenté, même les secrétaires d'État, dans le passé. Donc je pense que vous devriez vraiment y avoir un effort comme ça, et que le message à faire passer auprès des institutionnels, c'est bien celui-là. Parce que bien souvent, cette association, Claudine fait une quinzaine de salariés, la nôtre, ce sont des 13 salariés qui travaillent à la demande d'une municipalité autour de Toulon. Donc l'effort de communication il doit être essentiel aussi parce que la Maison de l'Europe, le conseil départemental, la région, pourquoi ne pas faire un seul bureau unique pour tous ces enseignements pour les gens et véhiculer cette information, c'est pas qu'on a peur d'y aller, c'est qu'on ne sait pas où aller. Et ça, c'est je pense, c'est le deuxième message à faire passer. Voilà. Sinon, sur la première université, il se trouve que j'étais pendant 10 ans directeur du Master 2 à l'IAE de Toulon. Je suis chef d'entreprise, donc je crois que je suis chef de l'État. Et moi, j'ai un souvenir quand même de l'université de. C'est 3 ans, 100 étudiants sur 10 000. Alors, 1%. C'est qui que reçoit cette diversité micro. On a un problème de problème. On pourrait, mais on ne sait plus de mobilité, parce qu'on a le potentiel, mais on n'a pas les fonds. Et donc les fonds attribués aux universités ne sont pas obligatoirement à la hauteur de la demande. Donc, d'ailleurs, au niveau européen, les fonds Erasmus, ce sont des fonds qui sont dépensés à 100%, et énormément de pays se plaignent de ne pas avoir assez. Donc on pourrait financer plus, mais les fonds alloués ne sont pas suffisants. J'ai bien parlé, pour dire j'ai parlé des mobilités financées par la société, des mobilités financées par la région, il y a d'autres choses. Bonsoir. Donc, je vais d'abord parler du FEDER parce qu'effectivement, je suis assez admirative d'associations qui se lancent dans le monde. Je travaille à l'Université de Toulon. Il y a 3-4 ans, j'ai porté 2 FEDER à l'université pour financer une plateforme numérique de contenu enrichi pour nos étudiants. Le montant était de 2 millions d'euros. Le montage du dossier était très lourd, en plusieurs tranches, sur plusieurs années. Et en plus, on est arrivé à la période de la fin d'enveloppe FEDER. On s'est demandé jusqu'à la fin si on allait avoir la totalité de la subvention. Donc c'est vrai, c'est beaucoup de travail, beaucoup de complexité. Et peut-être qu'effectivement, ça serait judicieux de simplifier tout ça. Donc vraiment, bravo pour les associations qui font appel à ces fonds. Parce que c'est vrai que malgré tout, on a touché de très beaux projets. On est un peu basse parce que ça fait 10 ans que je... Mais il faut beaucoup de motivation. Alors, pour Erasmus, alors moi je suis bien concernée des relations internationales à l'Université de Toulon. Donc, on a nos étudiants qui partent beaucoup plus en Erasmus aujourd'hui qu'avant. En 2 ans, on a doublé nos sortants. Alors, c'est vrai que, de par la complexité encore de cette subvention, à l'heure actuelle, on a eu 71 500 euros de la Commission européenne pour financer nos projets Erasmus. Il faut savoir que c'est des fonds qui augmentent par rapport au taux de réalisation de nos mobilités. Donc il faut évaluer le projet à venir, et par rapport à cette évaluation, on a la subvention qui nous est octroyée ou pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, à l'université, le problème qu'on a avec les étudiants, c'est qu'ils ne veulent pas partir. Et là, on va passer dans le bas. Donc, on est... Merci Valérie d'être venue, merci en tant que députée d'être dans de nombreux événements autour de l'Europe, de jouer autant le jeu, parce que ça permet de nous aider à construire nos événements et à les rendre
élever le niveau, je dirais. Tu nous apportes une parole nationale, voire internationale maintenant. Européenne. Internationale, presque européenne. Je souhaite remercier bien évidemment Vesselina pour sa présence qui porte la parole européenne au niveau du département. Et puis nos trois animateurs de comité et animatrices, Catherine, Aline et puis Michel bien sûr. Donc, merci pour votre investissement parce que organiser une réunion c'est toujours beaucoup de travail, beaucoup de stress. C'est toujours des imprévus comme un câble qui manque. Bon, c'est pas trop, on ne sait pas vraiment pourquoi mais en tout cas il n'est pas là, il faut le trouver. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à cette réalisation. Merci Catherine. On a pu voir que notre pays, la France, reçoit beaucoup d'argent de l'Union européenne, donc c'est du concret, c'est du cash, c'est des espèces sédentes et trébuchantes. Que ces sommes, elles vont dans les régions. On a vu que les territoires, les régions sont particulièrement identifiés au niveau de l'Union européenne et que ces fonds, au-delà des régions, vont dans les départements, vont dans les villes, vont dans les villages. Et on trouve de nombreux exemples, ça a été donné ce soir, concrets. De l'Union européenne dans notre quotidien. Et merci à Claudine aussi pour ton exemple qui est très parlant. On a parlé également d'Erasmus. On a vu que c'est un sujet très riche et c'est un sujet qui met au cœur de notre réflexion de la jeunesse européenne. On a eu l'occasion avec Valérie de voir qu'il est certainement nécessaire d'aller porter cette parole de l'Union européenne auprès de la jeunesse, puisqu'effectivement le pacte fondateur de l'Union européenne était la paix, que cette paix elle mérite d'être défendue et on sait qu'elle doit l'être. Mais néanmoins, pour certaines et certains, la paix paraît un acquis. Et donc il faut leur proposer autre chose, il faut leur proposer des nouvelles visions, il faut construire cette nouvelle vision, toujours autour de la paix, il faut l'alimenter. Pardon. Je vais à l'autre côté, comme ça je ne vais pas créer de problèmes techniques. Du coup j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Il y a deux termes qui ont été évoqués ce soir, dont un qui a été évoqué plusieurs fois, c'est le terme de solidarité. On n'a rien, notamment l'Union européenne, c'est la solidarité. Pas oublier les gens qui sont à côté de nous, les hommes et les femmes, et c'est ça être solidaire. Et l'Union européenne l'a montré ce soir, elle est solidaire. Et au cours de son histoire, elle a été régulière. On a évoqué, ce soir, on a vu que c'était un sujet qui était dense et complexe, et on doit faire collectivement preuve de beaucoup d'humilité. On doit essayer de vulgariser ce terme. On doit essayer de vulgariser ce qu'est l'Union européenne, il faut le rendre simple et attractif. Et au terme des fonds, on a vu que il faut qu'on trouve des leviers, des moyens de comprendre comment ça marche, de comprendre comment y accéder. Et plus ce sera accessible, et plus collectivement on se sentira concerné par le sujet européen. Alors juste pour faire une petite parenthèse sur la République en marche, parce que comme j'en suis le référent dans le département, il a été évoqué la grande marche européenne. C'est effectivement une déclinaison qu'on va lancer un petit peu avant les consultations citoyennes, avec l'objectif très clairement, en tout cas pour notre département, que ce soit un tremplin pour la réussite des consultations citoyennes, parce que c'est par ce biais-là, par ces consultations citoyennes, qu'on va ramener l'Union européenne au cœur du sujet, au cœur du citoyen, en venant lui en parler et en lui donnant l'opportunité de poser toutes les questions, et donnant l'opportunité d'exprimer sa vision et ses attentes. Et donc nous, au niveau de la République En Marche, on a à cœur de réussir cette grande marche européenne, qui est voulue par Christophe Castaner et que Vesselina va avoir la forte ambition de réussir, avec tout mon soutien, et le vôtre bien évidemment. Et ensuite, ce sera le bébé, on le transférera avec beaucoup de joie à Valérie, qui pourra continuer les consultations citoyennes. Et en tout cas, on restera bien évidemment présent. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous tenir en cette... Cette réunion. Et maintenant, je vous propose à toutes et à tous de vous lever pour vous réchauffer. Exactement.